La transmission, qu'elle soit d'un geste, de connaissance ou d'une entreprise et de son capital, c'est vraiment un grand questionnement. Comment assurer les conditions de survie des métiers d'art grâce à la transmission? On va parler de tout ça avec vous, Alexandre Bocquel. Bonjour, vous êtes ingénieur de formation, vous êtes notamment passé par le studio Marc Jacobs avant d'intégrer la Maison Dior. Avant de rejoindre le groupe LVMH, vous êtes actuellement, et depuis 3 ans, c'est ça, directeur des métiers d'excellence. Si on va être agile, comme il faut l'être dans ces métiers. Exactement, c'est une partie de mon parcours. Et voilà, dans une chose qui manque dans ce parcours-là, c'est que j'ai dirigé une maison d'art, qui est une maison de broderie française, qui s'appelle Vermont et qui travaille sur de la haute couture. Donc voilà, je suis particulièrement impliqué sur tous les sujets qui touchent à la transmission des savoir-faire. Ok. Alors, Gabrielle Légeret, bonjour. Vous bonjour. Êtes fondatrice et présidente de l'association de l'or dans les mains. Tout le monde en parle. Dont la mission est de réintroduire la pratique artisanale dans les collèges. C'est la base, à mon avis. Et vous êtes également référente de l'axe jeunesse du plan relance métier d'art. Pierre Martin, bonjour. On a un petit peu discuté tout à l'heure. Vous aussi, alors, je reprends le CV. Ça fonctionne. Alors, ça fonctionne. Voilà. Vous avez été président de Chambre des métiers, mais également administrateur de l'INMA, anciennement CEMA. Vous êtes actuellement administrateur d'AG2R La Mondiale et président de la fondation d'entreprise AG2R La Mondiale. J'ai un petit coup de mou. C'est bien. Pour la vitalité artistique qui, on le verra, accompagne les métiers d'art à plusieurs niveaux. Et, clin d'œil, vous êtes né à Tonnerre. C'est ma ville. Voilà. Alors, je suis sous surveillance. Vous connaissez bien la maison. Et enfin, Emmanuel Petit-Demange, vous êtes diplômé de l'ENA, passé par le Conseil d'État. Et depuis 3 ans, vous êtes dans une maison... de cœur pour moi. Vous êtes administratrice générale du Mobilier National. Bonjour. Alors, dans un premier temps, on va poser les enjeux auxquels font face les métiers d'art quand on parle de transmission. Ils ne sont pas des moindres, visiblement. Emmanuel, au Mobilier National, on est dans une... Enfin, pas au Mobilier National, mais Emmanuel, via le prisme du Mobilier National, on ressent qu'on est dans une période charnière. Il y a une véritable urgence à agir et, je dirais, à susciter des vocations. Comment Absolument. Vous faites ? Ouais. Alors, au Mobilier National, on le voit, mais comme je dirais dans tout le secteur des métiers d'art en France, on est à un moment charnière, en ce sens que la pyramide des âges nous est défavorable. Il y a énormément de départs à la retraite, et donc c'est un moment où, dans cette problématique de la transmission qui nous réunit aujourd'hui, il y a un enjeu particulièrement crucial, puisqu'il faut maintenir vive la mémoire de nos gestes pour ensuite, effectivement, susciter des vocations derrière. Pour autant, je m'associe à ce qui a été dit tout à l'heure dans la table ronde précédente, qui était qu'il y a aussi un espoir dans le contexte actuel. On est à un moment charnière où on a aussi de nouveaux outils, la transition technologique, l'innovation numérique, l'intelligence artificielle, qui permet aussi de renouveler un petit peu les formes d'archivage et de transmission. Et donc, moment crucial parce que, effectivement, il va falloir agir tout de suite et rapidement, mais moment crucial aussi et charnière dans les espoirs que l'on peut formuler sur les manières d'agir pour la suite. Alexandre Bocquel, est-ce que vous avez des chiffres à nous partager sur les postes à pourvoir ? On va concrètement direct et hop. Quand on parle des métiers d'art au niveau du territoire, au niveau de LVMH ? Alors, allons-y, franco, sur les chiffres. Sur le groupe... comme ça, on pose le... Très bien, comme ça, on a les chiffres importants. En France, le groupe LVMH, c'est plus de 38 000 collaborateurs. Sur les métiers de l'artisanat et de la production, on a près de 10 000 personnes qui, au quotidien, sont sur ces métiers. Vous l'avez dit, le groupe LVMH, c'est beaucoup de maisons, 75 maisons. C'est un système décentralisé avec des très grandes maisons et des petites maisons, ce qui nous fait un très bon thermomètre sur les métiers, de manière générale. On a sur nos maisons qui sont globalement en croissance beaucoup de besoins. Cette année, on a estimé qu'on devait trouver 3 500 talents
sur les métiers de la production. Et on a beaucoup de mal, on a beaucoup de tensions. C'est vraiment une filière qui est pénurique. Voilà. Donc c'est pourquoi on fait cette table ronde. Hein. C'est comment est-ce qu'on résout cette problématique d'associer les besoins de l'industrie avec les besoins en formation et comment est-ce qu'on crée des vocations, parce que c'est la clé en fait, de notre sujet. Et comme c'est un spectre large, ce secteur, il y a différents besoins, il y a différentes manières d'y arriver, il y a différentes sources, enfin, c'est-à-dire que ça peut aller de l'atelier jusqu'à la manufacture plus grande ou des entreprises comme les vôtres. Donc ça complexifie les choses aussi au niveau des formations. Mais c'est très complexe parce que c'est 280 métiers, plus de 280 métiers. Chaque métier a sa spécificité dans la formation, dans le talent qu'il y a à développer. Et cette grande ombrelle qu'on appelle métier d'artisanat, en fait, il y a une réalité qui est super éclectique. Donc comment est-ce qu'on adresse un problème général en rentrant dans la granularité de ce qu'il faut faire, c'est pas simple. Donc la mission qu'on porte tous à différents niveaux, à différentes échelles, c'est comment est-ce qu'on trouve une solution unique mais agile, hybride, comme le disait Emmanuel Chiblou, pour aussi aller de l'avant sur ces métiers. La désirabilité, peut-être. Gabriel. Avant même de parler de désirabilité, je pense qu'il faut parler d'accès à la connaissance, à l'information. Aujourd'hui, les jeunes ne connaissent plus ces métiers. Je vous partage un chiffre issu de la mesure d'impact qu'on a fait chez Delors dans les mains. 65% des jeunes collégiens ne connaissent aucun des métiers qu'on leur présente à l'aune de leur parcours. Ces métiers, c'est tapisserie, tapissier, forgeron, brodeur. Ça veut dire qu'en fait, ces métiers ne font plus partie de l'imaginaire collectif de la nouvelle génération, parce qu'ils ne sont plus médiatisés et surtout parce qu'il n'y a plus de pratique manuelle au sein des établissements scolaires, comme il y avait encore il y a 20-30 ans. Certains ont peut-être eu ce qu'on appelle l'enseignement manuel et technique, qui permettait aux jeunes de se confronter à la matière. Une fois que l'information, elle est là, alors moi, je ne crois pas trop à de l'information qui est forcément descendante sur des brochures. Il faut qu'elle soit incarnée, il faut qu'elle passe par de l'expérimentation. D'où la nécessité pour moi de réintégrer absolument la pratique manuelle au sein des collèges, pour permettre aux jeunes d'abord peut-être de réimpulser un petit peu la capacité d'observation et d'émerveillement des jeunes, parce que je pense que c'est ça qui est absolument extraordinaire dans les métiers d'art, c'est de pouvoir vraiment découvrir, s'émerveiller en faisant apparaître des objets sur Terre à partir de ressources locales, juste avec ses mains. Et ça, c'est important de l'entendre. Et une fois qu'on a fait connaître ces jeunes par la pratique, c'est comment est-ce que les entreprises artisanales deviennent désirables. Aujourd'hui, on a quand même un jeune sur deux qui sort du bac et qui veut être entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces jeunes, ils veulent être libres, ils veulent maîtriser l'ensemble de la chaîne, ils ne veulent pas être un seul maillon de la chaîne. Je pense qu'ils veulent être moins des ouvriers d'art que des artisans. Et ça, c'est important de l'entendre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer le modèle économique d'une partie de nos entreprises. Les EPV le font très bien. On a les manufactures aussi en partage d'outils de productivité, comme fait Make Ici ou les manufactures de proximité, pour permettre aux jeunes vraiment de s'emparer. Les jeunes, ils veulent monter leur marque, ils veulent monter leur business, ils veulent être youtubeurs, ils veulent être sexy, en fait. Donc, je pense que ça, il faut l'entendre. Je crois aussi beaucoup, peut-être, au salariat, actionnariat, la Redoute, ils ont réussi à relancer la Redoute parce qu'en fait, chaque salarié est devenu actionnaire. Donc, je crois que voilà, la désirabilité, elle passe par ces trois piliers. Oui, exactement. Emmanuel, au Mobilier National, les jeunes sont au cœur des préoccupations. Et vous disiez, pour rebondir à l'exemple de Gabriel, les mains dans le cambouis, enfin, y aller, quoi. Et petit mob. Je pense à ça. J'ai entendu des témoignages d'enfants à 7-8 ans qui disent « Ah, c'est super, j'ai fait quelque chose. » Et surtout, peut-être, je peux y penser comme métier pour demain. Absolument. Donc, le Petit Mob, en fait, c'est une institution, c'est une initiative qu'a lancée le Mobilier National pour que les jeunes viennent au Mobilier National dans l'enclos des Gobelins, donc lieu historique d'implantation de la manufacture des Gobelins depuis le XVIIe siècle, pour être initiés à la tapisserie, pour être initiés au métier d'art. Et pour ces petits, c'est de 6 à 14 ans, mais donc petits ou adolescents, venir au Mobilier National, venir dans l'enclos des Gobelins,
qui est en plus souvent baigné d'une douce lumière. Enfin, tout ça est une expérience sensorielle extraordinaire. Et ce être face à un métier à tisser miniature et s'initier à la pédagogie du sensible, du textile, tisser, choisir la couleur, etc. C'est une expérience qui, je pense, est un petit peu unique dans leur parcours scolaire et qui répond, je pense, à ce que disait Gabrielle à l'instant. Les jeunes ont vraiment des préoccupations, vous le disiez, très fortes quand ils vont vers des métiers, quand ils s'engagent dans la vie. En fait, les jeunes plus âgés, on va dire à la vingtaine, je vois, j'ai des enfants de cet âge-là. Il y a des préoccupations environnementales, on le disait et tout. Donc, Emmanuel, comment on peut mettre tout ça en avant sur finalement, les métiers d'art répondent à ça aussi, à ces enjeux de société de demain, à leur manière de vivre, parce qu'il y a une différence, on va y avoir d'autres enjeux dans leur tête, ils vivent leur vie professionnelle différemment. Et effectivement, en fait, les métiers d'art sont en résonance avec beaucoup d'enjeux contemporains, et ça, c'est une chance énorme pour la transmission. C'est une chance énorme pour la transmission à deux titres. Premièrement, parce que lorsqu'on transmet finalement cette culture des métiers d'art, l'exemple le plus évident, c'est celui de la transition écologique. Donc, lorsqu'on initie aux métiers d'art, en fait, on initie à une nouvelle manière d'appréhender les questions, les difficultés, et on encourage la créativité pour tout ce qui est effectivement transition écologique. Je m'explique. Par définition, les métiers d'art, c'est un domaine de la transversalité. C'est l'interdisciplinarité, vous maniez la matière, vous maniez les formes, les textiles. Vous êtes dans quelque chose qui est décloisonné, qui n'est pas du tout la culture du raisonnement en silo, comme on l'a un petit peu en France. Et donc, à partir du moment où vous vous initiez au métier d'art, tout d'un coup, vous vous rendez compte des correspondances qui existent finalement dans les chaînes de production, dans les manières d'envisager des projets. Et vous pouvez, dans votre vie quotidienne, et même d'une manière plus générale, appliquer un raisonnement plus créatif, plus fantaisiste pour, par exemple, trouver des solutions éco-responsables, etc. Et à l'inverse, lorsque vous avez déjà, comme c'est le cas aujourd'hui chez les jeunes, une sensibilité à la transition écologique, etc., le fait finalement que ces métiers d'art soient des métiers qui ont déjà en eux cette préoccupation, et pas de manière récente, depuis des siècles en fait. C'est des métiers qui, par définition, sont proches de ces préoccupations. Eh bien, ça peut vous amener finalement à découvrir ce champ de la création par une sensibilité, un militantisme, je dirais, personnel, qui ensuite vous font comprendre qu'il existe des secteurs économiques en France qui sont particulièrement sensibles à ça. Pierre Martin, assurer la transmission des métiers d'art, ça signifie aussi assurer le coût de reprise des ateliers et aider les repreneurs à se lancer ? Oui, bien sûr. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit, notamment par vous, sur l'attractivité et aussi l'approche que l'on doit avoir pour notamment les plus jeunes, mais aussi les adultes, et notamment avec le monde éducatif. Pendant trop longtemps, on n'a pas pu se rendre, nous les artisans, dans les établissements scolaires pour présenter nos métiers, pour dire ce que nous sommes, pour les opportunités qui s'offraient effectivement pour un bon nombre d'élèves. Aujourd'hui, les choses vont mieux, mais c'est encore nettement insuffisant, je tiens à le dire, et je souscris tout à fait à ce que vous avez dit. On porte aujourd'hui davantage d'intérêt, et c'est bien pour l'artisanat et les métiers d'art, mais j'ajouterais qu'il n'y a pas d'amour sans preuve et qu'il faut aller encore beaucoup plus loin. Alors, sur la transmission, puisque c'était votre question, effectivement, il faut que l'entreprise... Sur l'accompagnement, et l'accompagnement financier, on va dire. Il faut déjà que l'entreprise soit transmissible, que donc il y ait un accompagnement qui soit au plus près de ce chef d'entreprise, s'y prendre suffisamment longtemps à l'avance, parce que, vous savez, le repreneur achète son avenir et le cédant vend son passé. Donc c'est toujours compliqué, notamment pour la valorisation de l'entreprise. Et après, l'accompagnement, ça suppose aussi que
il y ait les financements qui suivent, la prise en compte par l'ensemble de la puissance publique, les banques bien sûr. J'ai écouté Marie-Guide Dufay tout à l'heure. Effectivement, au niveau de la région, je ne sais plus aujourd'hui parce que je n'ai plus de responsabilité dans le monde consulaire, mais au niveau de la région Bourgogne, on accompagnait aussi d'une manière particulière la reprise d'entreprise pour les métiers d'art ou les petits ateliers, ceux qui en avaient le plus besoin. Donc il faut aussi poursuivre dans cette voie, c'est très important, et ne pas les lâcher comme ça du jour au lendemain, les suivre pendant au moins 2 à 3 ans que l'entreprise et le repreneur aient des perspectives, et notamment des perspectives commerciales. Gabriel, il y a un enjeu également sur la question de la reconnaissance salariale des artisans et on va dire le fait de créditer qui a fait l'œuvre, qui a fait l'objet. C'est important. Je pense qu'il faut sortir de cette question. C'est un métier passion, donc on peut ne pas gagner beaucoup d'argent. Je pense que cette vision, elle fait beaucoup de mal, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que le titre de cette journée, ce soit la dimension économique des métiers d'art. C'est nouveau en plus. Voilà, exactement. Aujourd'hui, l'artisanat souffre d'une image de ne pas très bien gagner sa vie. Les jeunes, ils pensent qu'on gagne plus d'argent quand on est vendeur chez Bouygues Télécom que quand on est artisan d'art. Et c'est pas faux. Je veux dire, quand on entend des directrices d'ateliers de broderie qui cherchent des brodeuses qui ont 15 ans d'expérience avec un salaire de 2000 bruts, bah c'est normal qu'on ait des difficultés aussi de recrutement. Ensuite, oui, il y a en effet le crédit. Aujourd'hui, quelle place on donne à la valeur de l'artisan sur un prix quand on travaille dans une manufacture ou dans une maison, quand votre verre est vendu 80 euros? Vous en faites des centaines dans le mois, mais qu'en fait, il y a un hiatus entre ce que vous touchez, vous, et ce qui est vendu, parce que ça va aussi vers d'autres canaux. On est dans une société où il y a beaucoup de marketing et où ça coûte cher. Ça c'est un vrai problème pour les artisans. Et donc, j'en reviens aussi à la question dont, d'ailleurs, Thierry Fils parlerait mieux que moi, d'entrepreneur de savoir-faire. Je pense que c'est peut-être aussi ce rôle qu'il faut valoriser. Il y a des artisans, il y a des ouvriers d'art, mais il y a aussi la question de l'entrepreneuriat. Et c'est aussi comme ça, en soutenant des entrepreneurs de savoir-faire, qu'on va peut-être ouvrir de nouveau des entreprises dont l'objectif n'est pas que la croissance, mais qui permet aussi aux artisans de toucher tous les rôles de l'entreprise. Je pense à Atelier Tufri à Florac. Lui, il le dit clairement, il dit « Moi, mon but, c'est pas de m'exporter, c'est pas d'ouvrir des nouveaux ateliers, c'est pas d'ouvrir des nouvelles boutiques. En revanche, c'est d'avoir des collaborateurs heureux que je garde plusieurs années et dont mes couturières sont capables de faire chaque étape du jean et donc un jean de A à Z pour être fière de ce qu'elles font. » Et voilà, tout ça, je pense que ça suppose de repenser la place de l'artisan et le crédit qu'on lui donne. Alexandre, l'idée qu'il faille créditer les artisans, c'est quelque chose qui vous parle ? C'est important. Les maisons du groupe LVMH ont une désirabilité, les produits sont très visibles. Nous, ça a été depuis le départ dans la dynamique des métiers d'excellence et l'envie de dire que derrière un objet, il y a une chaîne de valeur et il y a des personnes qui ont travaillé sur cet objet. Ces personnes, ça va être un créatif, évidemment, et on connaît nos directeurs artistiques, mais ça va être la couturière, le maroquinier, le joaillier, qui sont indispensables à ça et qui laissent leur empreinte, puisque c'est des métiers manuels et c'est des métiers où, effectivement, on laisse une part de sa personnalité sur les objets qu'on fabrique. Et pour nous, c'est essentiel dans la dimension ressources humaines de ces métiers de remettre en lumière ces talents. On a souvent pensé que c'était les métiers de l'ombre avec des métonymies qui moi me dérangent toujours un petit peu quand on parle de petites mains, de personnes de l'ombre, de gens backstage. On n'hésite pas à remettre en lumière nos talents et à les valoriser. On a toute une série documentaire qu'on a mis en place chez LVMH où on prend un objet qui est le prétexte à découvrir les personnes qui ont travaillé et donc on découvre voilà, les maroquinières, les joailliers, les couturiers. Et on a créé un programme des virtuoses LVMH, c'est-à-dire qu'on a besoin de mettre en lumière les personnes, les maroquiniers, les couturiers, chez nous. Un, parce qu'ils font un travail exceptionnel et que c'est pour nous important de le reconnaître. Et deux, parce que quand on veut donner envie à des jeunes d'aller vers ces métiers, c'est indispensable d'avoir des rôles modèles. C'est-à-dire qu'on a parlé de créer la désirabilité pour ces métiers. Moi, je rencontre des jeunes en permanence. Je vais en permanence dans les collèges pour leur présenter ces métiers qu'ils ne connaissent pas, effectivement. On leur explique ce que ça signifie au quotidien et qu'ils me disent tout de suite « Oui, mais si je rentre dans ce métier, est-ce que je peux devenir une star ?»
de ce métier. Est-ce que je vais... Voilà, mais c'est un peu ça, c'est que je pense qu'on a tous vécu à ce moment-là l'idée que quand on a 13-14 ans, on veut se projeter vers une carrière qui nous fasse briller aussi. Et c'est leur question. Et donc, on a besoin d'avoir... Mais comme ces programmes qu'on a pu voir aussi à la télé... Et le Top Chef des métiers d'art, nous y travaillons, j'espère, ça va marcher. Mais c'est important, parce que quand on voit quelqu'un qui a été commis et qui devient chef 3 étoiles, ben, ça veut dire que dans ces métiers, on a des parcours de réussite et des parcours de développement. C'est ce qui se passe dans nos maisons. On a des personnes qui rentrent dans les ateliers de couture et qui deviennent premiers d'atelier, etc., directeurs d'atelier. Et donc, c'est important de montrer aux jeunes aussi qu'il y a ces parcours de réussite incroyables. Donc, mettre un coup de projecteur sur les carrières dans ces métiers, c'est indispensable dans le fait de créer des vocations et de susciter la désirabilité de parcours vers ces métiers. De faire connaître ces métiers, vous le disiez, et d'éviter d'aller vers ces formations par dépit. C'est-à-dire que le moment où on dit t'es pas bon à l'école, tu vas aller faire ça, non, ça ne doit plus exister, parce que ce sont des métiers effectivement valorisés. Ça veut dire aussi que dans les familles, il faut réentendre que ce sont des métiers formidables et qu'on penche pas la tête parce que son enfant a pas choisi telle ou telle carrière et choisi d'être vers un métier d'art, au contraire. Donc ça veut dire une connaissance de ces métiers. Pierre, vous vouliez partager un regard à l'étranger, je crois, en Allemagne. Oui, il y a quelques années, j'espère que ça continue toujours, les Allemands, et dans le monde éducatif allemand, on avait le système dual. Le système dual, ça consistait à consacrer du temps scolaire à la découverte des entreprises, mais aussi à la pratique du sport, aux activités culturelles, bref, du temps important, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, découvrir les entreprises, et en particulier les TPE pour nous, les entreprises artisanales, et les métiers d'art. Si on veut susciter des vocations, il faut quand même qu'on aille à la rencontre des jeunes en phase d'orientation, voire aussi les adultes, ensuite avec des forums organisés, les chambres consulaires le font très bien, et d'autres aussi, et les entreprises. C'est quand même les entreprises aujourd'hui qui font le maximum d'efforts pour rendre cette attractivité indispensable aux yeux d'un public, qu'il soit jeune ou moins jeune, par rapport à la puissance publique, moi je le dis comme je le pense, et notamment, encore une fois, au monde de l'éducation. Donc, continuez, c'est très bien, et nous allons continuer aussi. On parlait tout à l'heure de petits mobs, donc ça s'inscrit là, de l'expérience. C'est ça, Gabriel, aussi, vous pensez, il faut que les jeunes expérimentent, les jeunes, on parle du collège, on parle des petits, là. Oui, c'est terrible, je crois, ce qui s'est passé, d'avoir supprimé... Ouais. Toute pratique manuelle dans les collèges. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne valorise qu'une seule forme d'intelligence, qu'une seule forme de réussite, de faire des études supérieures. Mais ce sont des millions de jeunes qu'on est en train de mettre sur le carreau, parce que ce sont des jeunes qui ne se reconnaissent pas dans le système actuel et qui se sentent dévalorisés, qui pensent qu'ils sont en échec scolaire, alors que la pratique artisanale, entrée dans le geste, peut développer leur potentiel et révéler leur talent autrement. C'est absolument quelque chose qu'il faut changer. Vous avez raison, le modèle de l'Allemagne est vraiment très, très inspirant. Et nous, on s'inspire aussi beaucoup du modèle de l'EMT, de l'enseignement manuel et technique. J'ai récupéré un manuel de 1979 là, en classe de 5e. Les jeunes, ils faisaient des plateaux en fromage en osier, ils faisaient des sacs à pain, ils faisaient des règles en bois de menuisier. J'ai fait un plateau en osier. Si je me disais, ça me rappelle quelque chose. Donc en fait, voilà. Non, mais vous avez raison. Bon, c'est pas pour autant que je suis manuelle, mais en tout cas, c'est des métiers que je comprends. Et c'est comme ça qu'on va aussi créer des consciences de consommateurs. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les gamins, ils ne savent pas que pour faire un bureau, il faut un arbre, il faut le planter, ouais. Il faut attendre qu'il pousse, il faut le découper. Ils ne savent pas que quand ils portent un jean, il a fait 65 000 km. Mmh. Mais comment voulez-vous qu'ils sachent ça si à aucun moment dans leur scolarité, on leur a ouvert cette petite fenêtre pour comprendre comment était fabriqué un objet ? Emmanuel, vous ressentez ça, quand vous avez les visites au mobilier, etc., vous ressentez ça, on en a parlé avec Petit Mob, mais de cette expérience-là, de ce besoin-là d'aller vers ça.
Oui, absolument. Bon, la pédagogie par le sensible, la pédagogie par quelque chose qui ne soit pas purement conceptuel, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Je voudrais, par exemple, partager une expérience qu'on a eue lorsque on a commencé à lancer un petit peu l'initiation à la tapisserie. On a notamment fait des interventions auprès d'enfants et de préadolescents qui étaient en fait des primo-arrivants, souvent par les vagues de l'immigration, qui ne parlaient pas français, etc. Et ces jeunes, vous les mettez devant un métier à tisser et vous les initiez à ce qui se... Ça ne se passe pas d'explication, hein, mais ça se passe, je dirais, d'explication un peu textuelle. Et tout d'un coup, c'était un monde qui se rouvrait devant eux, c'est-à-dire ça leur parlait, il y avait... des perspectives peut-être. Exactement, une perspective, quelque chose de l'ordre d'être à sa place et trouver sa contribution au monde. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alexandre, vous parliez de rencontres au collège, c'est-à-dire comment ça se passe? Vous allez sur comment vous agissez? Comment ça se passe? Ben, pratiquement, on recrée des cours de MT aussi. Alors, on est sur la même dynamique, c'est-à-dire que on se rend compte qu'il faut commencer très tôt à créer cette filière, et donc on a depuis 2 ans décidé d'aller dans les collèges. Alors, on le fait en France, on le fait aussi à l'international, pour intervenir et faire des ateliers découvertes pour les jeunes. Donc on invite une maison, ça va être un couturier de chez Dior, ça va être un maroquinier, même sur des métiers dont on parle beaucoup, comme visual merchandising par exemple, on est sur d'autres métiers mais ils ne sont pas très bien connus. Et sur une matinée, on invite les jeunes qui ont 13-14 ans à faire quelque chose avec leurs mains, à découvrir ce métier, et on n'a aucun tabou sur les questions. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous ne connaissez pas ce métier, demandez-nous comment on se forme, demandez-nous quel est le quotidien de nos collaborateurs. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé des parents, mais on invite les parents aussi à venir à ces sessions, parce que c'est extrêmement important aussi de les convaincre. Ça peut être, enfin moi je l'ai vécu personnellement, hein. Je n'ai pas fait le métier que je voulais faire au départ, parce que mes parents m'ont poussé dans une direction, et les parents sont aussi des fois des freins aux vocations dans ces métiers, donc il faut aussi faire tomber les clichés auprès des parents. Donc oui, c'est des interventions très pratiques, voilà, extrêmement concrètes, où on essaye de voir, de déclencher une petite étincelle dans les yeux des enfants qui sont là. Et très pratiquement, c'est assez étonnant. Notre première intervention, c'était à Clichy-sous-Bois. Et les professeurs étaient assez réfractaires au départ à ce qu'on intervienne. On dit, écoutez, ça va être difficile, un atelier de 3 heures de pratique manuelle. Ils ont une attention qui est très limitée. Vous n'allez pas réussir à les choper. Et en fait, c'était incroyable. Ils ont suivi de A jusqu'à Z ce cours avec une discipline assez dingue. Et certains sont venus nous voir en disant, mais on ne savait pas que ces métiers existaient. Et comment on fait maintenant pour aller plus loin? Et ça, c'est une vraie réussite. Donc oui, on multiplie de plus en plus dans le groupe ces initiatives, parce que c'est ce qui va créer une espèce de filière consistante de talents. Et le lien avec les établissements scolaires, etc., c'est compliqué ou... On a en France un système qui est très décentralisé, donc c'est clair qu'on n'a pas une recette magique pour ouvrir les portes de tous les collèges. Donc ça veut dire que c'est par des contacts spécifiques qu'on peut avoir, où on convainc un principal de nous ouvrir les portes, de mettre en place ces ateliers, et c'est un vrai travail de fourmi. C'est là où ce plan stratégique sur les métiers d'art va, j'espère, changer la donne. En tout cas, c'est son ambition, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Et moi, je suis ravi aussi de travailler avec vous dans le futur pour que ces ateliers pratiques, on puisse les installer de manière plus simple. Ce n'est pas toujours simple et il faut vraiment qu'on trouve la méthode pour que ce soit efficace. Je pense que ces rencontres-là, moi, j'en vois un symbole extrêmement fort, c'est qu'il y a eu tellement d'initiatives disparates sur la France pour changer la donne sur les métiers de savoir-faire. Il y a tellement de bonnes idées, mais pas synchronisées, pas mises en synergie. Quand je vois que là, il y a des représentants d'organismes très divers qui sont tous réunis physiquement dans ce lieu avec cette même envie et qui a un plan qui nous unit, qui nous donne l'opportunité de non pas se ventiler sur des choses, mais de travailler ensemble, je trouve que c'est un message qui va nous permettre d'avoir de l'impact enfin et d'essayer de travailler ensemble pour qu'on change définitivement la donne sur ces métiers. Travailler ensemble, Gabriel, c'est avec de l'or dans les mains. Vous travaillez notamment avec des enseignants, main dans la main. Comment ça se passe? Donc, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est un programme de 2 ans à destination des collégiens où chaque jeune va avoir 10 heures de pratique artisanale avec 10 artisans différents en petits groupes de 10 pour fabriquer un objet à chaque fois. On le travaille main dans la main avec les enseignants parce que l'idée, c'est de faire des liens entre la pratique artisanale et les programmes scolaires. C'est qu'avant, il y a une préparation avec les enseignants,
Et nous, on forme les artisans qui viennent pour que chacun intègre une notion du programme scolaire dans leur atelier. Donc, par exemple, quand on va avoir un menuisier qui va faire fabriquer un nichoir en bois aux enfants, ça va être à partir du programme de géométrie de la 5e. Je vais tracer mon angle, je vais tracer mon angle droit, etc. Le travail avec les enseignants se passe, c'est assez magique en fait. On a un comité pédagogique et il nous aide à construire nos livrets pour les artisans. Donc ça suppose aussi beaucoup de former les artisans. Mais on a quand même 38 établissements scolaires sur liste d'attente. Aujourd'hui, c'est 4000 jeunes qui sont bénéficiaires du programme au sein de 6 régions, dans une vingtaine d'établissements scolaires. Mais en fait, les collégiens, ils sont des millions. Donc, le plan métier d'art, c'est génial parce qu'il n'y a pas que de l'or dans les mains qui fait ça. Il y a LVMH, il y a l'outil en main, il y a l'INMA avec son programme Je découvre à la découverte des métiers d'art. Il y a Manufacto. Et l'objectif, alors avec le plan métier d'art, c'est 35 000 jeunes qui sont annoncés. C'est super. Mais l'objectif prochain, c'est des millions parce que les collégiens sont des millions et qu'il faut que chaque jeune de France et de Navarre ait accès à un dispositif comme ça. Exactement. on en parlait un petit peu là du rôle modèle. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, moi, j'ai toujours prôné la preuve par l'exemple. Enfin, c'est-à-dire que donner l'envie. On parlait encore de pas, éviter le dépit, donner l'envie. Gabriel, comment vous agissez ? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Comment ça se passe ? Bon, d'abord, changer la notion de la réussite. Et ça passe évidemment par les parents et les enseignants. C'est quoi réussir dans la vie ? C'est pas forcément gagner beaucoup d'argent et faire de très longues études et avoir du pouvoir. Mais ça, c'est compliqué dans une société capitaliste de montrer d'autres modèles. Mais j'ai l'impression qu'il y a un changement dans la tête des jeunes, ouais, d'une certaine moi, catégorie. Je suis assez, non quand j'entends non dire oui, mais la nouvelle génération, elle est très engagée sur les questions écologiques, etc. C'est pas un problème de génération, c'est un problème de toutes les générations. Société, alors. Voilà, on peut pas se reposer que sur les jeunes. Et d'ailleurs, il y avait un sondage fait par l'Ipsos et Jean Covici qui est sorti il y a pas très longtemps, qui montrait que par tranche d'âge, les plus engagés écologiquement sur l'impact carbone, c'était les plus de 60 ans, et ceux qui l'étaient le moins, c'était les moins de 30 ans. Donc je pense qu'il faut faire attention quand même à se dire que les rôles modèles, c'est forcément de l'engagement écologique. Après, je pense que ça passe aussi, quand est-ce qu'on a un Emeline Paris qui tombe amoureuse, elle est tombée amoureuse d'un cuistot, et ça veut dire que tout ce qui a été fait avec Top Chef sur les métiers de bouche ont fonctionné. À quand un ébéniste hyper sexy dans le prochain Emeline Paris ? On vous attend là-dessus d'ailleurs. On va leur envoyer une petite lettre, on va leur proposer ça. Donc, non mais c'est vrai, enfin voilà. Et c'est... dans le plan métier d'art, il y a aussi un réseau d'ambassadeurs sur les réseaux sociaux, justement pour pouvoir promouvoir d'autres images de réussite, avec notamment en partenariat avec le Pass Culture, pour qu'il y ait des jeunes ambassadeurs qui aillent faire découvrir aux autres jeunes les métiers d'art. Oui, non, mais le Top Chef des métiers d'art, s'il est bienveillant et s'il montre vraiment la voie comme ça, c'est super. Enfin, oui, et d'avoir des séries où les jeunes filles tombent amoureuses des artisans et et les jeunes garçons tombent amoureuses des artisanes. Aujourd'hui, ça n'existe pas. On tombe toujours amoureuse du mec d'HEC. Oui, oui. Emmanuel, le rôle le rôle modèle, ce fameux mot-là, rôle modèle, mentor. Oui, au Mobilier National, on est sur cette même ligne. Et des rôles modèles, alors, puisque quand même, c'est la transmission, ce n'est pas limité aux jeunes générations, mais je dirais que c'est le premier public. Les rôles modèles, pour nous, c'est important qu'il n'y ait pas une différence d'âge trop importante avec le public cible. Et c'est pour ça que, donc, dans nos initiatives de prix, le prix Jeune Création qu'on organise avec le Campus des métiers d'art et du design Gobelin, ou alors le prix Mobilier National à la Design Parade, tous ces prix qui, en fait, récompensent... Le prix Avenir Métiers d'art aussi. Exactement. Enfin, tous les prix destinés à des jeunes designers, c'est aussi une manière de dire on met en lumière des jeunes qui ont réussi, qui ont quelques années de plus par rapport à ceux que l'on vise, mais auxquels on peut s'identifier. C'est pas le meilleur ouvrier de France qui est déjà en fin de carrière et qui a réussi et qui est presque inatteignable. Il y a le meilleur apprenti. Oui, bien sûr, mais c'est dans cette ligne-là. Et dans l'idée d'associer une forme de prestige à ces métiers, par exemple, nous, donc, on continue à acquérir beaucoup de biens, puisque notre mission originelle, c'est quand même de meubler les lieux officiels de la République. Et à chaque fois qu'on acquiert de nouveaux meubles, de nouvelles œuvres, qui sont
généralement extrêmement riche en implication des métiers d'art, on fait ce qu'on appelle une cérémonie d'entrée dans les collections nationales, qu'on essaie très largement de diffuser sur nos réseaux sociaux. On a cette chance d'être une institution publique pluriséculaire, avec un certain patrimoine historique, etc., fondé par Louis XIV, etc. Et cette entrée dans les collections nationales, c'est un petit peu une manière de dire voilà votre cursus honorum. Enfin, on s'érige pas non plus comme le passage obligé, mais c'est une manière de dire voilà vos lettres de noblesse. Vous êtes entré dans les collections nationales et donc votre savoir-faire, votre métier, votre futur est digne et reconnu. Alexandre, vous partagez l'idée qu'il faut valoriser, on en a parlé, les initiatives autres que celles dont vous avez parlé, s'inspire des talents du Japon, les ambassadeurs aussi. Ça, c'est les virtuoses, mais c'est ce qu'on se disait, c'est comment mettre en avant des talents dans ces métiers qui vont inspirer les générations. C'est ce qu'on a mis en place. Nous, ce qu'on essaye de construire de toute façon, c'est vraiment, on a créé une espèce de cercle vertueux. C'est-à-dire comment relier ces jeunes qui s'ignorent, ces jeunes qui ont un talent mais qui ne connaissent pas encore le métier dans lequel ils vont briller, et des virtuoses, c'est-à-dire des personnes qui ont réussi à se réaliser dans les savoir-faire. Et on a réfléchi à comment est-ce qu'on reliait cet alpha et cet oméga pour créer une dynamique. Et donc, on a créé un cercle vertueux de la transmission. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord sur le fait que le point principal, c'est déjà, un, faire connaître ses métiers. On a mis en place ces ateliers dans les écoles. Deux, il faut quand même se rendre compte aussi que la panoplie de formation sur ces métiers est extrêmement sophistiquée. Honnêtement, quand on a 14, 15, 16 ans, c'est pas toujours simple c'est de s'orienter. C'est vrai, pour s'y retrouver... C'est pas toujours simple. Pas facile. Ça à l'aune de la richesse de ces métiers-là, mais du coup, ça peut poser des problèmes d'orientation. Donc c'est vrai que depuis 2 ans, on essaye aussi, nous, de jouer notre rôle de pédagogue, d'expliquer un peu. On a 33 écoles partenaires en France sur ces métiers de savoir-faire, et on explique... Voilà, comment est-ce qu'on se forme au métier de couturier, avec quelle école, comment on se forme sur la maroquinerie. Et donc, on vient faire un tour de France très pragmatique, où on rencontre les jeunes et les personnes en reconversion pour les aider à s'orienter vers nos formations. On a des formations spécifiques. On a un institut qui existe depuis 2014. La fondatrice est ici présente, Florence Rambaud, qui a été le premier programme de formation dans le monde du luxe en alternance. Donc voilà, on a vraiment créé cette espèce de trajet qui essaye de relier nos virtuoses, l'acmé des savoir-faire, à ces jeunes et qui vont essayer de les inspirer de manière ascensionnelle vers ces métiers. Pierre, quelle vision vous défendez globalement à la Fondation ? Ah, alors notre fondation est assez récente, on est dans la 6e année. En 6 ans, nous avons accompagné 127 dossiers, donc ce qui n'est quand même pas mal. Nos priorités, c'est déjà la préservation du patrimoine régional, matériel et immatériel, la valorisation aussi de la création contemporaine, très important pour nous, et puis la promotion des métiers d'art, et en particulier, depuis cette année, la promotion des métiers d'art rares. Et là aussi, j'entendais parler du Japon tout à l'heure. Il aurait été souhaitable, peut-être, à l'époque où on a créé EPV, Entreprise du patrimoine vivant, et aussi les maîtres d'art, qu'on aille un peu plus loin et qu'on puisse attribuer le statut de trésor vivant, comme le font les Japonais, à des métiers d'art rares, mais qui risquent de disparaître. On a maître d'art, mais le statut, il faut bien le regarder au Japon, va encore un peu plus loin. Mais laissons cela. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, pour notre fondation, c'est les métiers d'art rares, la promotion des métiers d'art en général, mais cela. Il faut d'abord procéder à une définition, parce que là aussi, c'est assez disparate, c'est assez vague, et on n'a pas une définition qui soit suffisamment exhaustive aujourd'hui. La deuxième chose, c'est et on va le faire avec l'INMA, avec l'Institut national des métiers d'art. On vient d'engager il y a 2 jours un projet qui est un très beau projet sur 3 années. Et donc, on va aussi, avec eux, élaborer une plateforme qu'on pourra ensuite mettre sur leur site et qui recensera, après la définition des métiers d'art rares, qui recensera aussi ces métiers d'art et les possibilités de formation. Ces métiers d'art rares. Métiers d'art rares. D'accord. Et
bien sûr, pour ce qui nous concerne, nous, Fondation, eh bien, on va continuer. Et quand on attribue un accompagnement, un financement à un dossier qui concerne des métiers d'art en général, mais aussi des métiers d'art rares, le conseil d'administration est très attentif à ce qui est effectivement le meilleur accompagnement possible, la meilleure aide possible pour qu'on aide aussi ce secteur. Mais je le répète, qu'on le fasse bien au niveau régional. Notre groupe a à peu près 800 administrateurs et notre volonté avec des administrateurs régionaux, c'était qu'eux nous remontent les dossiers et que ça passe par eux. Rien ne vaut la proximité et le terrain. Bruno Le Maire l'a dit tout à l'heure, la caractéristique des métiers d'art en général, c'est que leur implantation est souvent rurale. Il y a les grandes maisons, certes, mais même les grandes maisons font appel à des artisans d'art qui sont dans la ruralité. On disait tout à l'heure, preuve par l'exemple, des initiatives inspirantes. Gabrielle, par exemple, vous vouliez nous en partager une. Non, donc dans les métiers d'art, il y en a plein que j'ai cité tout à l'heure. Nous, on s'est beaucoup inspiré d'une initiative que j'aime beaucoup qui s'appelle le Musée Mobile, qui fait beaucoup rêver les enfants. C'est un camion qui transporte des œuvres de chez Pompidou ou des fracs et qui sillonne les territoires ruraux pour apporter l'art contemporain aux jeunes qui sont éloignés des endroits où il y a de la culture. Et qui ouvre. Donc ce camion se transforme en musée sur les places du village et on peut y pénétrer. Et donc les jeunes sont devant des œuvres qui sont faites par des artistes contemporains spécialement pour les jeunes, en lien avec des thématiques qu'ils abordent comme l'eau, comme la forêt, comme le bois. Et ensuite, après, les jeunes font leur propre œuvre. Et ça, c'est formidable de se dire qu'on permet à ces publics de s'affranchir de la dépendance aux métropoles où on pense que sont les musées, etc. Et d'amener tout ça auprès des publics jeunes, sur le territoire, main dans la main avec les enseignants et avec les parents. Très bonne initiative. Pierre, ça fait écho aussi à l'association L'Outil en Main, non ? Absolument. L'Outil en Main aussi, comme vous, hein, vous l'avez cité, je crois, intervient beaucoup également auprès des jeunes et des établissements. Et c'est important. Mais je voudrais dire aussi qu'en prolongement de vos interventions, aujourd'hui, les choses vont quand même mieux parce qu'on voit sur les médias parler un peu plus à la fois de l'artisanat. Je vous confirme. De l'artisanat et des métiers d'art pour ce qui nous concerne aujourd'hui. J'ajoute qu'il y a aussi un dispositif qui fonctionne très bien parce que le président de la Chambre des métiers dans cette salle, c'est pour les métiers du bâtiment, c'est artisans messagers où ils se rendent dans les établissements scolaires. On reconstitue une petite maison et on y fait participer les élèves. Donc tout ça va bien. J'ajouterais quand même qu'on a besoin d'avoir davantage de reportages. Ça commence sur les Olympiades, ce qu'on appelait les Olympiades des métiers qui sont devenues WorldSkills, et également sur les concours Meilleur ouvrier de France. Appelez nos directeurs de chaîne, parce que moi, je suis dans les starting blocks. Hein. Oui. J'en parle régulièrement, mais je veux en parler plus. Mais c'est très important, parce que c'est la valeur de l'exemple. Oui. Et puis aussi, pour tous ces gens, tous ces jeunes qui ont participé à ces concours, ils n'ont pas de problème de recrutement. Ils sont embauchés parce qu'ils ont un savoir-faire, évidemment, qui est d'excellence. Il y a le savoir-faire, et puis aussi, il y a les valeurs dégagées, ce que ça fait rentrer dans la tête, la notion de l'effort, tout ça, c'est aussi tout ça les métiers d'art, et c'est aussi ça la transmission, et ce qui est important, il me semble. Tout à fait, qu'on retrouve aussi chez les Compagnons du Devoir. Tout à fait. Il ne faut pas les oublier. Alexandre, est-ce que ça fait écho tout ça à la formation continue pour encourager les artisans à s'épanouir, se perfectionner, se diversifier chez vous ? La formation continue, c'est un vrai enjeu. Hein. On s'y attelle vraiment. On a créé une académie de la formation continue parce qu'on est persuadé que ce qu'il faut garantir pour la vie d'un artisan, c'est la possibilité d'apprendre tout au long de sa vie professionnelle. On est face à des métiers qui non seulement sont en train d'évoluer, c'est-à-dire que je pense que le métier de maroquinier qu'on connaît aujourd'hui n'est pas forcément le même qu'on connaîtra dans 10 ans, dans 20, dans 30 ans, parce qu'on a la chance d'être avec des métiers qui sont proches des outils. Être artisan, c'est avoir un outil, et c'est aussi intégrer les outils innovants. Donc on est persuadé, convaincu, que ce qui va, attirer aussi les candidats vers ces métiers, c'est le fait que ce métier va être en évolution et qu'eux-mêmes vont être en évolution. Je pense que le moment où
quelqu'un rentrait dans une maison, était maroquinier, était jusqu'au fin de sa vie, est en train d'un peu de changer. Beaucoup de jeunes ont envie aussi d'évoluer dans leur métier, d'intégrer de nouvelles compétences. Donc c'est la formation continue qui va permettre ça. Et c'est déjà quelque chose qui est dans nos maisons. On a des écoles internes qui justement essayent d'introduire de l'innovation, du numérique, du digital. Et c'est capital. C'est capital de faire comprendre aussi aux jeunes que le métier dans lequel ils vont rentrer n'est pas forcément un métier du passé. C'est un métier de la tradition, mais du coup, c'est un métier qui intègre aussi de l'innovation. Et la formation continue est là pour asseoir cette ambition de dire que ce chemin professionnel va être un chemin qui va être mouvant, évoluant, progressif. Et c'est un peu ça aussi que les jeunes ont envie d'entendre. Emmanuel, on parlait de tout à l'heure, vous l'avez évoqué, l'intelligence artificielle au service des métiers d'art. Vous y croyez? Puis c'est dans le cadre d'un fonctionnement global. Oui, alors habituellement, c'est vrai qu'on a tendance, même si ça évolue, à opposer l'intelligence artificielle avec les métiers d'art qui sont dans une matérialité qui semble à première vue s'opposer au virtuel. Pour autant, je crois que finalement, il y a un consensus qui se dégage d'après les interventions précédentes. On se rend compte que pas du tout, que c'est un outil très intéressant. On se rend compte, par exemple, je voudrais revenir juste un instant sur le projet ressources qui a été mentionné tout à l'heure par Emmanuel Thibloux et qui est porté par le fameux campus des métiers d'art et du design qui est donc implanté au Gobelin. Et en fait, ce projet, donc, c'est des captations vidéo, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour en fait inscrire dans un conservatoire virtuel des savoir-faire les gestes, les savoir-faire, etc. Et ça nous offre deux choses comme perspective. La première, ça nous offre une possibilité d'archivage qui n'existait pas jusqu'à maintenant de ces gestes qui ne pouvaient pas être décrits. Enfin, quand bien même ils étaient décrits, il y avait toujours, je dirais, un écart irréductible entre le conceptuel et la pratique, et donc là on est vraiment sur de l'ordre du sensoriel, et donc cette intelligence artificielle, elle est absolument essentielle de ce point de vue là et aussi on peut envisager donc cet outil ressource. Au départ, il est fait pour former les formateurs, donc il n'a pas directement vocation à aller dans les écoles, mais à terme, pourquoi pas s'en servir comme un élément de finalement enlever les frictions, parce que ces métiers d'art, généralement ça peut, en tout cas pour les métiers qu'on exerce au Mobilier National, ça peut nécessiter des infrastructures, des outils, etc. Et pourquoi cette intelligence artificielle ne permettrait pas justement de lever la friction et d'intervenir au plus proche des élèves, des collèges, des primaires. Enfin, c'est un élément finalement de renouveau qui est assez exceptionnel. Là, on va être dans le partage de solutions concrètes. Est-ce que, Emmanuel, la rencontre, faire se rencontrer les métiers d'art et leur public, c'est une des volontés? Oui, absolument. Donc ça, c'est il y a évidemment le donc ce dont on vient de parler à l'instant, le petit mob. Je n'y reviens pas, mais je fais un appel pour dire que le Mobilier National est à votre disposition, qu'on cherche des classes, qu'on accueille, que c'est gratuit. Enfin, que vraiment, n'hésitez pas, nous sommes là pour accueillir vos élèves, donc 6 à 14 ans. Mais au Mobilier National, on essaie aussi, dans l'enclos des Gobelins, de mettre en valeur en fait ce patrimoine immobilier pour ouvrir nos portes au moment des Journées européennes du patrimoine. Et pour ça, c'est très important pour nous aussi, parce que, quelque part, c'est la transmission de nos métiers aux futures générations, mais je dirais même qu'en tant qu'institution, c'est une condition de notre survie, le fait de montrer nos métiers d'art et d'avoir un acquiescement de la part des citoyens qui viennent nous voir au moment des journées du patrimoine. Ça participe du fait que le Mobilier National continue d'être accepté comme institution. C'est un peu un ovni, hein, aujourd'hui en France, au début du XXIe siècle, une manufacture d'État, etc. Et le fait de s'ouvrir, d'aller rencontrer les classes, de participer, de nous associer le plus possible aux initiatives de transmission, c'est aussi pour nous une manière de perpétuer notre existence à travers les siècles, parce qu'il faut un consensus et il faut une adhésion de la société pour pouvoir continuer à exister. Gabrielle, saisis. Bah oui, mais il faut réintégrer la pratique artisanale dans les collèges. Moi, on plaide, j'ai de l'or dans les mains, ça depuis des années, mais il faut que les financements suivent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux artisans d'aller animer des ateliers
sans les payer. Gratuitement, bien sûr. Genre, faut arrêter avec le métier passion sous prétexte qu'ils sont passionnés. D'autant qu'ils ne travaillent pas dans leur atelier à la place. Exactement. Enfin, voilà. Nous, c'est quelque chose qu'on fait qui nous tient à cœur, ce qui nous permet d'être très exigeants la formation qu'ils vont délivrer, de fait d'être pédagogue, d'avoir réfléchi à faire quelque chose de différent de quand on s'adresse à un grand public. Bon, et une fois qu'on a sensibilisé, y a vraiment la question de comment est-ce qu'on attire durablement ces jeunes. Et là, moi, je réitère le fait qu'il faut changer nos modèles économiques, nos modèles d'organisation au sein des entreprises artisanales, parce que c'est fini, les jeunes qui sont attirés par ce modèle de division du travail, de spécialisation qu'on a hérité d'après la guerre. Je crois que là-dessus, il y a vraiment des réflexions à amorcer. Il y a plusieurs acteurs qui ont proposé des solutions. Je parlais des EPV, je parlais des tiers-lieux de partage d'outils production. Et si on veut attirer durablement les jeunes, il faut vraiment aller dans ce sens-là. Pierre, vous voulez conclure un petit mot ? Oh non, là aussi, je souscris. Il faut faire preuve d'agilité pour ce qui nous concerne. Nous qui voulons assurer la promotion du secteur de l'artisanat ou des métiers d'art, évidemment. Et puis aussi, ne pas oublier l'aspect économique quand même, notamment pour celui qui va s'intéresser et vouloir venir, notamment dans le domaine des métiers d'art. On peut en vivre. On peut en vivre, on est son patron, et puis il y a une grande liberté, une liberté dans la création, bien évidemment, mais aussi une liberté dans l'organisation même de son travail, et au bout du bout, avec un talent et de la volonté, eh bien, on peut parfaitement en vivre par rapport à d'autres métiers qui sont peut-être plus mis en avant aujourd'hui. Donc il ne faut pas aussi avoir peur de le dire, si on veut attirer du monde, eh bien, il faut que aussi cet aspect-là soit pris en compte. Et Alexandre, pour vous ? Définitivement, je rejoins ce que dit Gabriel, c'est que je pense que la clé, c'est l'éducation. C'est l'accès à ces métiers, du coup la connaissance de ces métiers. Je pense qu'on a plein, je pense que cette salle est remplie de très belles initiatives, mais chacune de ces initiatives touche 1000, 2000, 3000 personnes. On est très loin d'une classe d'âge qui comporte 600 000, 700 000 personnes. Donc le seul moyen, c'est de faire un tronc commun d'apprentissage qu'il y a à l'école. On a bien des classes d'art plastique et de musique. Il doit y avoir des classes d'artisanat. C'est un accès à des métiers qui sont incroyables. On ne peut pas se permettre de dire que c'est le luxe de certaines personnes d'avoir accès à ces dispositifs. Il faut que ce soit quelque chose qui est à disposition de tous, parce que sinon on passe à côté d'une génération de talents vraiment, et on passe à côté d'une foultitude d'opportunités pour ces jeunes. Moi, je vois à quel point sur ces métiers on a du mal à recruter, et je vois les personnes qui sont dans nos métiers qui disent mais on est tellement heureux maintenant d'être dans ces métiers. Je me dis on peut pas se passer de cette chance là pour toute une génération. Donc il faut définitivement l'inscrire avec de l'impact. Voilà. Il faut vraiment mettre en place un truc systématique dans l'éducation pour que personne ne passe à côté de la chance d'être dans ces métiers. C'était très intéressant tout ce que j'ai entendu. Je suis toujours un peu surpris quand les intellectuels se mettent à parler des travaux manuels. Vous auriez dû inviter un artisan. Le départ de la table ronde, vous avez dressé un tableau un petit peu catastrophique, et après ça s'est arrangé. Je remercie Pierre d'avoir pris la parole en disant qu'on est sur la bonne voie, mais on devait passer par là pour que nos métiers soient enfin revalorisés ou valorisés tout court. C'était une obligation. Maintenant, le travail va se faire, je pense, et ça vient. Alors nous, je suis issu du bâtiment, entreprise du Cherposa. Alors nous sommes spécialisés dans la restauration du patrimoine, taille de pierre et maçonnerie, depuis 1590. Enfin, c'est pas que de moi, mais... Nous, on n'a pas eu une jeune fille célèbre qui a rencontré un maçon ou un charpentier, mais on a eu Notre-Dame qui a brûlé. Alors, c'était une catastrophe, bien sûr. Je voulais remercier toute la publicité qui a été faite autour, parce que ça a suscité des vocations, vraiment. Et pour moi, c'est le bon Dieu qui est tombé sur la terre ce jour-là, et pour nous, les artisans du bâtiment. Et puis, effectivement, je voulais rebondir sur le compagnonnage, parce qu'on veut inventer plein de choses, mais on a des choses qui existent depuis le XVIIIe siècle et qui fonctionnent très, très bien. C'est les compagnons du devoir et du Tour de France. J'ai dit. Merci. Question suivante, du coup, derrière et après, monsieur. Voilà. Et après, on ne va pas pouvoir non plus... je regarde le maître du temps.
Oui, mais non. Enfin, merci. Ou alors vous parlerez après entre vous. Alors allez-y. Merci à vous toutes et à vous tous. Je voulais remercier Pierre Martin et puis Gabriel et vous, Sylvie, d'avoir cité l'outil en main. Donc je représente l'outil en main. On est présent dans 67 départements. C'est 250 associations locales. Et je remercie les élus qui jouent le jeu parce que sans l'impulsion des élus, ça ne marche pas. C'est 5 500 bénévoles, parce que ça passe par des bénévoles. Et c'est 3 500 enfants bénéficiaires de nos dispositifs à travers ces 260 associations. C'est 170 métiers représentés, y compris les métiers de l'artisanat. On travaille en lien avec la CMA et puis les compagnons que je salue. Voilà, parce que ça passe aussi par le métier de boulanger, de pâtissier, de ferronnier, de serrurier, et puis les métiers d'art et les métiers d'art rares, bien sûr, mais beaucoup les métiers de la main qui sont, voilà, où on a besoin de transmettre et de partager avec les enfants qui ont de 9 à 14 ans. Et c'est une expérience humaine incroyable, et j'invite celles et ceux qui sont intéressés à venir nous visiter. Il y a un atelier pas loin, mais il y en a partout dans toute la France, donc j'ai quelques plaquettes, je vous laisse mon contact. L'outil en main, merci Pierre encore d'avoir cité l'outil en main, merci Gabriel. Il y a encore plein de choses à faire, et on ouvre une association locale tous les mois à peu près, donc même deux ou trois, donc voilà. Mais on a besoin de votre aide. Merci. Alors, et madame, merci pour l'organisation de cet événement, et merci à Romain. Merci à Romain Mouton. Allez-y. Attendez, on vous donne un micro. Merci. Je me permets de prendre la parole maintenant parce que je vous annonce la création de l'outil en main à Tonnerre. Ah, le 6 génial juillet, et j'ai travaillé avec monsieur Dulot. Voilà, pour la création de cet outil en main, on a les artisans, les bénévoles avec nous, voilà. Bravo. Et nous créons le fier lieu aussi à Tonnerre autour de l'alimentation durable avec des partenaires nationaux. On sera la première cantine participative labellisée Petite Cantine. Voilà, et tout ça, ça se passe maintenant. Et ici. Et ici. Et je vais parler avec mon cœur aussi, parce qu'elle va faire le lien entre Tonnerre et Paris. J'ai eu un coup de cœur pour cette ville et j'ai mon fils qui est à 14 ans, qui est rentré à l'école Boulle dans un diplôme qui n'existe qu'à l'école Boulle, un FMA. Il a 16 ans maintenant, il fait de la marqueterie, il représente l'école Boulle à toutes les journées du mobilier national. Il vient avec sa machine artisanale. Il est présent aussi aux journées du patrimoine à Matignon et il est dyslexique, dysorthographique. Si je n'avais pas eu un père horloger qui m'a permis de rentrer dans son atelier, je n'aurais pas compris sa vie et sa passion, qui n'est pas du tout celle ce que je suis moi. Et c'est merci la vie, merci à toutes ces rencontres. Et oui, on a besoin d'argent pour monter ces projets, parce que tout seul, on n'y arrive pas, et qu'ensemble, on va plus loin. Et notre lieu à Tonnerre s'appelle Le Fier Lieu, et le CLEM, c'est réconcilier la valeur de l'argent et le sens de l'humain, sinon on n'y arrivera pas. Merci. Voilà. Bravo, merci pour ce témoignage. Une dernière question. Là. Et après. Oui, c'est pas réellement une question. Donc Grégory Dort, VP au département en charge de l'éducation. J'ai beaucoup apprécié cette table ronde. Merci. Je suis tombé sous le charme de Gabriel que j'ai cité dans mes propos introductifs et d'Alexandre. Alors, j'ai pas bu du petit chablis, mais du petit lait à vous entendre. Je pense sincèrement que dans Lyon, on a à travailler avec les collèges. J'ai vraiment apprécié. On est déjà au collège de Tonnerre. Donc, collège de Tonnerre, mais également les autres collèges. Et voilà, je vous lance une perche que l'on se voit au cocktail déjeunatoire. Pour qu'on essaye de travailler ensemble, effectivement, comment on peut essaimer cette démarche de découvrir vos métiers vraiment d'art dans les différents collèges du département. Donc j'espère que les services m'entendent, mais qu'on avance sur ce sujet. Et quand on voit également le nombre d'emplois que vous proposez, et ces jeunes, et également, comme vous savez, les départements sont en charge de l'insertion, je pense qu'il y a réellement un travail à faire avec vous, et c'est l'objectif de ces rencontres, de travailler en synergie. En tout cas, le département est à votre écoute, et j'aimerais qu'on échange autour d'un verre par la suite. Voilà, merci à vous en tout cas. Je vous remercie.